La Convention sur le climat. Vous avez suivi ces travaux, évidemment. 149 mesures proposées. Euh, L'immense majorité de ces mesures soumises au, au Parlement. Hein euh, beaucoup, dans tous les cas. Nous verrons les propositions de loi qui seront déposées. Parmi ces mesures, 110 km/h sur autoroute au lieu de 130. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors d'abord, je veux saluer le, le travail et l'engagement mmh. des 150 compatriotes qui ont décidé de se saisir de questions tout à fait difficiles. C'était une initiative inédite, voulue par le président de la République. Ça n'existe nulle part. Ni dans le monde ni en Europe. Donc c'est une démarche nouvelle, inédite, donc forcément imparfaite, mais en tout cas quelle démarche. Bon, la démarche est là. Ce qui compte c'est le résultat. Alors, ce qui compte c'est le résultat. Et l'application des mesures proposées ou pas. D'ailleurs. L'application ou pas des mesures proposées. Donc oui. moi je je, je je vais je vais oui. pas me dérober. Je vais vous répondre. Oui oui oui. Je, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que oui. ce matériau, si je peux dire, qui est livré oui. par nos 150 compatriotes, il doit être regardé, étudié euh, par les commissions euh, à l'Assemblée nationale, mais aussi euh, au Sénat ou ailleurs, pour voir qu'est-ce qu'il convient d'en retenir. Il faudrait aussi que ce débat se poursuive dans les territoires. Il y a 150 Français qui ont été tirés au sort. Moi, je voudrais bien savoir ce que les habitants de ma circonscription pensent de ce qui a été ainsi mis sur la table. Donc, moi, j'entends poursuivre le débat et, et, comment, et inciter. Comment veux... on peut-on poursuivre le débat eh Bien Sur le terrain. Dire, vous faites des réunions publiques et vous dites euh, euh... aux habitants de la circonscription. Faire si le... le député, le maire, si... euh, ben, non, organise le maire, une, réunion, une réunion publique. Et et... Ouverte à tout le monde. Et, et, et débat. Et, et, débat et, et débat. Et moi, je trouverais bien. Ça reste débat national, quoi. Et moi, je trouve. Un nouveau nouveau débat débat que... Les, les, les députés s'en saisissent oui. Ils oui. disent voilà ce que 150 millions parce Macron que débattre c'est bien beau mais enfin, il faut Alors après, prendre faut des agir. faut Alors, agir hein, oui. ensuite si oui. vous voulez euh, sur cette histoire de limitation de vitesse oui. moi je ne suis pas sûr qu'il soit euh, urgent de commencer par ceux qui briment parce que j'ai un souvenir quand le premier ministre avait voulu a voulu du reste euh, abaisser oui. la vitesse sur la route départementale à 80 oui. on nous a dit voilà un des ingrédients qui a provoqué la colère des zones rurales mmh. pas le seul non. Mais un des ingrédients donc il y a eu le mouvement que l'on connaît. Ensuite, on dit on va faire une convention citoyenne mmh. sur ces enjeux climatiques puisque rappelez-vous c'était la taxe carbone mmh. etc. Et là on ressort de là avec une limitation de vitesse. Au fond, on ressort avec une solution qui ressemblerait au mal d'origine si mmh. je puis dire. Donc donc vous n'y pas. Moi ce que je, spontanément non mais je crois qu'il faut Considérer cela parce que ce que j'ai bien compris, c'était le gain qu'il y avait en, en effet de, oui, en production il de on gaz. faut considérer Filser. mais dire non. Quoi, si je comprends bien, non, mais, hein, Richard euh, bah, Ferrand. Personne n'est jamais obligé de dire oui à tout. Pour bon, commencer. Bah, mais, 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 oui. Je ne veux pas, moi, comme ça, dire. Oui. Il n'y a que cette histoire. Dans oui. non, non, mais les je... propositions sont beaucoup plus riches. Bien sûr. Et ensuite, ne commençons pas par une mesure qui va rendre l'enjeu écologique assez antipathique. Il faut convaincre. Il oui. ne faut pas euh, tout le temps. Parce que, mais vous voyez, les travaux de cette convention ont démontré combien l'action publique est difficile. Parce que mmh. quand on lit l'ensemble des propositions, oui. on voit beaucoup d'obligations, on voit quelques interdictions mmh. et un peu d'impôts par-ci par-là. Mmh. C'est mmh. à peu près tout ce qu'on reproche toujours aux politiques. Donc, on mesure la complexité. Et je trouve que la le, grand, de, le de, grand mérite oui. de ce travail, c'est ce partage des complexités que je veux d'ailleurs porter à l'Assemblée nationale. – Bon, alors, est-ce que vous êtes favorable à l'organisation d'un référendum sur une ou plusieurs propositions des membres de la Convention ?– Alors, le, le Président de la République euh, oui. a dit que le 29, c'est dans quelques jours, oui. euh, il donnerait des premières réponses. Bon, faut-il… Euh, D'abord, il faut faire attention. Un référendum, dans notre Constitution, c'est euh, très euh, précisé par l'article 11 et 89 de oui. la Constitution. On peut pas faire comme ça. Alors, oui. peut-on faire une consultation Ce serait plutôt ça à ce moment-là. Mm -hmm. euh, sur la base de plusieurs questionnements. Pourquoi pas Pourquoi pas Moi, je n'ai pas d'opposition. Le référendum, vous n'êtes pas très favorable, hein, d'après ce que je crois. Bah, C'est-à-dire qu que le référendum en... obéit à des règles et précises. Mais oui, des règles précises. Mais, mais faut, que l'on fasse... Pour façon... changer la Constitution, il faut réunir le Parlement. Il voilà, euh... enfin, bon, etc., faut etc., que etc. les deux chambres soient d'accord. Ce qui n'est pas certain, ce qui n'est jamais ces gagné Sur l'environnemental en plus, oui. en plus. Euh, mais vous le savez, mais qu'il y ait Et... une initiative oui. de consultation oui. des Français sur tel ou tel point. Oui, moi, mais je... comment consultation Comment Parce que là, on les a consultés ah, non, en non, sélectionnant oui. 150 Français. Oui, bah maintenant, mais on, fera... on va pas les consulter éternellement, les Français. L'idée de référendum, ça veut oui. dire quoi Ça veut dire qu'au fond, on pourrait imaginer, si oui. j'ai bien compris, oui. euh, qu'il y ait une série de questions êtes-vous favorable à ceci oui. ou à cela Donnez-nous euh, votre avis. Oui, ça peut être ça. C'est ce que j'appelle une ça. consultation. Une Consultation. Ça, vous, vous, vous trouveriez que bon, c'est trouve... une solution acceptable. Bah, en tout ce cas, ce serait une solution acceptable. En tout cas, ça aurait le mérite de porter oui. euh, ce type de débat et de sensibiliser aux enjeux écologiques dans toutes les familles et toutes les communes de France. Ce ne serait oui. pas un petit mérite. Oui.